Yes, bon matin tout le monde. Vendredi 26 mars. C'est ma troisième. Voyons, excusez-moi. Ma troisième journée de Daily Vlog. Bon, hier. Non, avant-hier, je vous parlais de la raison qui me poussait à faire du Daily Vlog un petit peu sur la route. Hier, je vous ai parlé, en gros, de ma journée type d'enregistrement. Comment je me prépare à ça. Ben, surtout que hier, c'était une journée particulière. Parce que vu que j'avais déjà eu le temps de faire ma préparation la veille. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as prévu alors? Aujourd'hui, c'est une grosse journée de mon point de vue, mais c'est une petite journée du point de vue du vlog. Parce que je vais faire du montage. C'est ma journée ménage, si on veut, de tout ce qu'il y a à monter. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose pour faire une vidéo au courant de la journée. Et on va se redonner. Yes! Yo! Yo, yo, yo! Midi, midi, midi. Oui, il est bel et bien midi. Là, pourquoi est-ce que je capote un peu comme ça? C'est que mon daily vlog aujourd'hui, j'avais prévu d'aller marcher, de trouver, tu sais, de quoi vlogger en explorant le monde qui m'entoure. Mais grosse déception, il mouille à verse. Fait que, on va rester à la maison, hein? Fait que, là, le plan de la journée, dîner, hot dog vegan. Après ça, cet après-midi, j'avais prévu de vlogger. Là, ce sera pas le cas. Mais dès que je reçois mes colis, on va faire un unboxing. Fait que oui! Des boîtes, des boîtes! Puis après ça, c'est vraiment soirée de montage intensif. Fait que ça va se résumer à ça. Fait qu'on va. Je vloguerai pas le montage, mais on va conclure le vlog avec la petite vidéo, mon résumé quotidien. Yes! À plus! Yo! Ben oui, on est rendu au unboxing. Vu que j'avais rien à vloguer aujourd'hui, vu qu'il fait pas beau dehors puis que je déteste vloguer dans mon appartement, j'ai dépensé pour vous autres. J'ai dépensé vraiment pour vous autres. Fait qu'on va explorer ça, ces boîtes-là. Tada! Boîte numéro 1! Des boîtes, des boîtes! Fait que j'ai finalement réussi à gagner mon point de la boîte. Elle m'a laissé gagner. Je vais vous avouer qu'elle m'a laissé bien des chances. Fait que je me suis amené. J'ai sauté mon Google Home. Que je disais pour un appartement intelligent. Fait que j'ai décidé d'optimiser le tout pour un Google Home Hub. Avec l'écran. Fait que quand je me demandais météo, j'aurai le visuel aussi. Vraiment du luxe. Ben hâte d'essayer ça. Puis je vous ferai même peut-être un review dans un rapcast si j'y pense. Tu sais, je vous dis ça, je vous promets rien parce que bien souvent je vous dis ça puis j'oublie de le faire. Fait que si je pense pas, dites-moi là. Sinon aussi, vu que j'ai brisé mes lumières, vu que je suis vraiment maladroit, puis il y a une espèce d'handicapé, puis là c'est pas un gag d'handicapé, je suis vraiment handicapé. J'ai les mains qui shake puis je pète tout le temps les lumières. Mais je me suis fait donner des lumières qui coûtent encore plus cher. C'est vraiment ridicule d'un coup, j'y pense. Mais c'est des lumières intelligentes. Ils sont vraiment des coups. Puis la deuxième boîte, sans grande surprise, celle-là, je vous la déballerai pas. C'est. Là, je veux qu'on la voit bien. Est-ce que ça focus bien? Oui. C'est un échangeur d'air parce que bien souvent, j'oublie que je vis dans un trou et demi puis je me mets à fumer en dedans. Puis je respire avec l'odeur longtemps. Puis avec un chat. Puis tout ça, c'est pas un luxe d'avoir un échangeur d'air. Fait que j'ai investi. Sur ce. Ciao! Bon, comme j'ai pris d'habitude, je vais vous faire un résumé de ma journée. Fait que, oui, à matin, je me suis encore levé. Petit pipi, petite douche, brossage de dents. Je me suis pas rasé à matin, par contre. Je sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais. Ah, c'est-tu que je me laisse aller? Il n'y en aura pas de facile. Après ça, j'ai eu un chat mongol, comme tous les jours. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait à matin? C'est quoi la première chose que j'ai faite un matin? Hey, pour vrai, c'est vraiment une bonne question. Je pense que j'ai écouté un rince crème. J'ai écouté un rince crème. C'est ça la première chose que j'ai faite. Après ça, j'ai fait du montage. Je vous ai fait des interventions.
J'ai dîné des hot dogs Beyond Meat. Yeah, baby! Après ça, j'ai monté un vlog. Après ça, j'ai cuisiné. J'ai fait de la bonne bouffe vegan dans le bedon. J'ai essayé d'attraper Ellie avec ça, justement, tantôt. Puis ça n'a pas marché. Elle m'a pas cru que c'était pas végétarien. Sinon, après ça, Ellie est arrivée pour le montage vidéo, comme que je vous avais parlé, avec des colis. Fait que là, j'ai filmé les unboxings en même temps. Puis that's it. Là, en ce moment, j'installe les nouvelles Gogos, le nouveau Google Nest, qui va très bien, soit dit en passant, je recommande. Des ampoules intelligentes que j'arrive pas à programmer. Je vais mettre là-dessus plus de main parce que je suis vraiment gossant quand j'essaie de les faire marcher. Je m'en rends compte, là. Puis à deux dans un 3,5, je vais me faire arracher la tête avant la fin. Donc, j'ai abandonné. Sinon, that's it. Fait qu'on se revoit demain, tout le monde. Yes!